Est-ce que vous croyez que la France va gagner l'Eurovision cette année ? Alain de la Morandée, vous êtes prêtre, vous êtes croyant, donc je vais vous faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. J'ai péché mon père, j'ai bougé pendant le jingle. Pardonnez-moi mon père. Ma fille ! Oh ! C'est pas la solution, moi. T'auras de pénitence, hein ? Ouais. Je crois que ma fille... Deux pâtés, trois... Non, 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 tu m'offriras une coupe de champagne en sortant. Est-ce que vous croyez au diable ? Oui, bien sûr. Quand je vous vois. C'est vrai que t'as eu un rire sardonique. Oui, 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 oui. Un rire diabolique. Il y a Vergès, c'est pire. Ah oui, vous avez eu Vergès, oui, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que la France va gagner l'Eurovision cette année ? Oui. Et écoutez, on en parlera tout à l'heure avec Natacha Saint-Pierre qui arrive. C'est beau la foi, hein. Ouais, c'est beau. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Non. Aux anges ? Oui. Ça existe, les anges ? Oui, au moins esthétiquement et poétiquement et artistiquement, et pourquoi pas surnaturellement vrai. Ah. Et les anges gardiens ? Moi, il y a un ange que je prie toujours avant de venir à une émission de télévision. Ouais. C'est l'ange des vanités. Oui. Je dis, souffle-moi sur la gueule pour que je ne me prenne pas trop au sérieux. Ah, c'est bien. Et que je ne me gonfle pas de vanité. Mais c'est bien. Voilà, c'est raté. Et l'ange gardien, ça va ? Il y en a des anges gardiens ou pas ? Oui. Oui ? Est-ce que c'est vrai que les anges n'ont pas de sexe ? Bien sûr. Il y a des anges gardiens même au PSG ? Il y a de plus grands... Il y a de... Il faut que j'explique au prince qu'il y a des plaisirs plus grands que ceux du sexe. Hein. Ah ouais ? Ah oui ? Ah oui ? C'est un gros queutard et trois pattes. Quand il sera roi, il aura besoin, vous aurez besoin d'avoir quelqu'un comme je le père de la Morandée. Je serai son confesseur. Oui. Bien entendu. Moi, je vois très bien. Je vois très bien confesseur auprès d'un en roi. En plus, il n'a rien dit sur tous les hommes politiques. Je peux y aller. Ouais, hein, tu peux y aller, il est bon. Tu le réinviteras après, il ne dira rien. Non, 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 c'est clair. Mais il y a Carloche de Bourbon qui me demande aussi. Moi aussi, de Bourbon, moi aussi. Que tu bois. En même temps, il s'en fout. Il fait 700 personnes tous les soirs. Philippe Tesson dit que c'est un génie. Qu'est-ce que je vous dise, moi ? Il continue. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Non, bah, j'y crois pas. C'est le questionnaire. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. C'est le questionnaire qui est comme ça. Placebo, placebo. Vous croyez à la réincarnation ? À la réincarnation, non, je crois à la résurrection, ce qui est très différent. Expliquez-nous alors. Mais la réincarnation, c'est s'imaginer que lorsqu'on a été langouste ou homard et qu'on a pêché, on va devenir crapaud et qu'on va descendre de plus en plus bas et qu'au contraire, quand on a été bien, on va devenir baleine et ensuite colibri. Quoi. Oui. Alors que la résurrection, c'est lorsque vous croyez... Mais il y a un raciste animalier terrible, là. Pourquoi colibri, c'est mieux que baleine ? J'ai pas dit que c'était mieux, c'est plus léger. Si, il y a un jugement de valeur, là, il y a une échelle. Et la résurrection, c'est très différent, c'est de croire qu'après la mort, l'amour est plus fort que la vie et que la création est tellement belle qu'elle renaîtra avec nous, avec des corps, mais avec des plaisirs infiniment supérieurs à ceux du sexe. La résurrection des corps. Bien. Je ne méprise pas le sexe. Ah non, mais j'espère bien, dites donc. Est-ce que vous croyez que Chirac sera réélu en 2002 ? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il y aura un groupe qui se formera qui s'appellera Tout Sauf Chirac. Un groupe de rock, tu veux dire ? Eh oui. Ah, dis donc, vous n'avez pas de main morte, vous. Ah oui. Mais il y a Bayrou qui va se présenter. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai. C'est pas un technocrate, c'est un vrai paysan. Il a fait une très belle biographie du roi Henri IV. Bien entendu, non, puis, il a des racines. Et quel charisme. En plus, non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, Chirac n'en avait pas. Et puis, Chirac dire, n'en avait pas. Faut dire que Bayrou, c'est les démocrates chrétiens, quand même, c'est plus votre truc, quoi. Mais Chirac, c'est à ce point-là, quand même. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Chirac ? Bien. Est-ce que vous croyez à la mort d'Elvis ? Non. Ah, ça c'est vachement bien. Elvis n'est pas mort, donc il y a 20% des Américains qui pensent comme vous, mon père. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Ah non, c'est le pire qui puisse arriver. Ah, et est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe ? Oui, ben, je suis bien obligé. Ben, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.